Eh bien salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Steambird Alliance, un jeu édité et développé par Spryfox LLC, qui est un jeu tout simplement où vous allez diriger un petit vaisseau spatial et vous allez du coup devoir aller affronter de multiples autres vaisseaux spatiaux. C'est jouable à 60 joueurs sur les serveurs. Il n'est pas encore sorti, mais actuellement il y a des bêtas de réaliser tous les week-ends. Oula, par contre, ça c'était jamais arrivé avant là, le micro freeze. Et vous pouvez jouer en coop comme on peut voir à droite avec la liste d'amis. Apparemment, si je fais ça, j'ai des potes, mais je ne les connais pas. Donc c'est cool. Donc en gros, ça va être simple. Vous allez avoir des missions qui vont s'afficher à droite. Et vous allez devoir les remplir. Donc en général, c'est buter des mecs, trouver des endroits, etc. Infiltrer des zones, etc., etc. Et après, vous allez devoir vous téléporter dans les ruines de la ville. Donc en gros, c'est des zones quoi, en fait, où il y a tout simplement des ennemis. Et vous allez devoir les affronter pour récupérer du stuff, de la vie, etc., etc. Et pouvoir augmenter votre level. Donc là, vous pouvez voir que je suis level 1. Donc plus je vais buter de mobs, plus je vais avoir de l'expérience et plus je vais augmenter plus je vais augmenter du coup de level mon vaisseau. Et en fait, après, on pourra améliorer du coup notre vaisseau. On pourra pas avoir simplement ce petit vaisseau qu'on a là. Après, on va pouvoir clairement l'améliorer énormément pour avoir un beau vaisseau bien stylé. Alors par contre, j'essaye de buter des mecs, j'arrive pas trop là. Voilà, donc ils sont L5, là vous voyez, je suis monté L2. Donc je suppose qu'il faut péter ce qu'il y a derrière lui, nickel, pour pouvoir les tuer. Donc voilà, et puis après on a quand même tout ce qui concerne les missions. Alors là, il faut que je détruis le noble. Le noble commander qui se trouve la Catiped Est. Alors je sais pas du tout où il est. Donc on va voir. Ah, Capitaine L5. Ça a pas l'air d'être ça. Bah, ça a l'air d'être là où je dois aller. On va voir, on va tenter d'aller là. Apparemment on change pas mal de zones à chaque fois. Donc là je suis L3. Franchement, c'est. D'un côté c'est très stylé. Après. Là, j'ai encore deux codes que je pourrais vous donner si vous voulez tester. Après, les bêtas fermées, tous les week-ends, c'est disponible jusqu'à la fin mai. Donc, fin mai, après, ce sera plus possible de jouer tous les week-ends. Et je ne sais pas du tout si ce sera possible d'y rejouer après. Parce que moi, j'ai juste ces informations comme quoi ma code marche les week-ends pour les bêtas. Mais est-ce qu'après, on aura accès au jeu au final? Je ne sais pas. Mon inventaire est full apparemment. Alors, parce que en fait on a pas mal de trucs. Alors par contre, juste, je suis en train de me faire défoncer et je regarde mon inventaire juste devant le mec. C'est très intelligent. Donc du coup, je sais pas du tout si c'est ici. Je suis monté level 4. Donc on voit, ça augmente mon armure, mes dégâts. Et en fait on peut penser que c'est très simple, mais après des moments il y a tellement de mobs et ils nous mettent tellement cher que en fait c'est très compliqué de. Alors comment je fais pour jeter les. Ah merde, ok, bon bah j'ai trouvé. Oh, je sais comment on se soigne aussi, c'est cool. En vrai je sais même pas si c'est là. Base commander, c'est ça? Non, moi il me faut le noble commander. Donc c'est pas du tout lui que je dois tuer. J'ai tué un mec, je sais pas si c'était ça, mais apparemment ça devait pas être ça. Et là je suis en train de retourner à Rebel City. Ah non, c'est même pas moi. Hunter in Drawship. Ah non, ok, c'est. Faut attendre que ça apparaisse. Ça va nous emmener à Rebel City apparemment. Ok. Et il faut que je retourne au pub qui se trouve ici. Voilà. Detroit Noble Commander in the Capital. Ah ok, fallait sélectionner la mission. Apparemment je l'avais pas sélectionné. Du coup maintenant c'est bon, il va m'amener directement
à la quête où je dois aller. Est-ce qu'il me montre la quête? Apparemment, il a pas envie. C'est où ça, son petit ped? Ah, c'est à gauche, ok. C'est bon, on a trouvé. Et moi, je pense directement sur le truc, c'est génial. Hop là, on va récupérer ça. Tac, excusez-moi, pardon messieurs. Oula, il commence à y avoir pas mal de monde par ici. On va faire gaffe quand même, on va détruire ce truc là. C'est assez dangereux. Ouais, je suis full au niveau de l'inventaire, mais c'est pas grave. Normalement, il y a moyen genre de pouvoir sélectionner des techniques. Oh. What the fuck? Ah ok, faut que je reste là. Faut que je reste là, je pense. Oula, par contre, c'est chaud. Il commence à y avoir pas mal de mobs. Ok. Donc là, je suis à Catiped Nest. Donc du coup, c'est quelque part ici. Et je vois, il y a un mec qui fait à peu près la même mission que moi. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, j'ai débloqué une classe. La classe Paladin. Alors en fait, quand on arrive au level 5, on peut débloquer enfin, on débloque un nouveau vaisseau, il me semble. Par contre, lui, il va juste trop vite, quoi. C'est ouf. C'est ouf comment il va vite, le mec. Il crée de ses trucs, il crée des vortex et tout, mais what the fuck. Juste ça, c'est des mecs qui n'arrêtent pas de jouer au jeu, je suis sûr. Oula, par contre, il m'est cher. Oula, il m'est cher. Hop, récupérons ça. Oula, par contre... J'ai un peu de mal avec la souris. Le déplacer à gauche et à droite, là, c'est... j'ai un peu de mal. Hop, nickel. Bon, je pense qu'à la manette, ça doit être beaucoup plus simple. Mais comme j'ai fait le tuto à clavier et souris, j'ai préféré continuer comme ça. C'est bien parce que d'un côté, en fait, on récupère de l'expérience en tuant les mecs. Donc, c'est pas... On n'est pas perdant à buter les gars. Par contre, lui, il fait juste mais trop mal, quoi. C'est juste ouf, les dégâts qu'il fait. J'ai presque envie de rester à côté de lui. Comme ça, j'avance tranquillou et lui, il bute les mecs. Mais apparemment, il voit pas les choses de la même manière. Donc, on va attendre. Je suis passé level 6. Après, on ira regarder un petit peu... On peut améliorer notre perso en même temps. Donc on ira voir un peu ça après. Hop, enfin notre perso, notre vaisseau spatial. Hop là. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Ça a pas l'air, il y a l'air d'avoir juste des mobs. Ah attendez. Oula. Des mobs par contre. On va buter les tourelles. Voilà. On va buter ça aussi. Hop, nickel. Je pense que je pourrais pas le récupérer, bah bien entendu, parce que j'ai trop d'items sur moi. Oh, par contre, mon pote là, il est parti, mais hyper loin. C'est un truc de ouf. Attends-moi, copain. On va essayer de le rattraper, mais je dis pas qu'on y arrive. Hop là. Ah, le mec. Ah, je peux me téléporter à lui, apparemment. Apparemment on fait la même mission ensemble, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Y a plus rien à faire ici à part le mec à le buter ici, mais voilà. À part ça, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Ok, donc on va de l'autre côté du coup. Apparemment le boss serait là-bas. J'espère. Ah bah oui, bien sûr, je me prends un truc quand même. C'est ouf. C'est ouf comment je prends tous les dégâts dans la gueule, quoi. Je teste en même temps les... Wow. Comment ils m'ont mis cher. Vas-y. Yes. Ok. On récupère tout. Oh, c'était sympa de faire ça avec lui. C'était cool. Bon, en tout cas, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. C'est drôle. Par contre, tous les messages là, c'est juste affreux. Quoi. Ça gâche totalement le plaisir. Quoi. Hop, on retourne du coup à Ruin City. On va pouvoir parler avec les mecs qui se trouvent ici. Donc du coup, voilà. Et là, apparemment, j'ai plein de quêtes.
Donc on peut voir, hein, y a des quêtes totalement différentes. Genre là, tuer 10 disciples de base, tuer 3 Elendil Disciples of Base, et retourner au pilote pub. Ouais, bon, ça à chaque fois c'est pareil, hein, faut à chaque fois revenir ici. Et on voit qu'il y en a, ils ont du temps, enfin ils ont tous du temps en fait. Hop, on va faire cette quête là. Voilà, donc j'ai 14 minutes pour faire cette quête. Par contre, on va aller ici, histoire de voir si je peux pas améliorer un peu. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, j'ai le paladin qui est du coup disponible, qui était disponible à partir du level 5. Du coup, on va le prendre et on va voir un petit peu. Merde, ah, c'est pas là, ça doit être là. Storage. Ça, je peux pas le ranger. Move storage. Move. 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 On va tout ranger, hein, tant pis. Tac. Et tac. Voilà. Alors, on teste un peu. Bon, apparemment, je peux pas tirer ici. Donc, on... Mais what? Mais il sert à quoi ce perso? À quoi il sert? Pourquoi il m'a demandé de retourner ici? Ça sert à rien. Bon, allez, apparemment, en fait, j'ai une grosse épée. Donc on verra. Par contre, j'ai l'impression d'être dans l'équipe du mec qui s'appelle Malar. Et puis tout à l'heure, il me demande de me TP à lui, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oula, ça a l'air bizarre comme technique. Oh, par contre, ça fait trop mal. Oh, ça fait mal. Wouah, ça fait mal ce truc. Bon, c'est un peu spécial, je prends pas mal de dégâts, mais ça fait très mal. Oula, par contre, ouais. Ouais. Là, ça va être compliqué de jouer avec cette technique. Peut-être essayer de trouver un meilleur moyen. Hop là. Nickel. Passer au level 2. Ah, je reprends les levels en fait. D'accord, je garde pas les levels que j'ai eu avec le mec de tout à l'heure. C'est comme c'est pas le même vaisseau. Donc du coup je garde pas les mêmes trucs. D'accord. Un peu compliqué mais au final on comprend. Alors lui je peux pas lui tirer dessus apparemment. Par contre lui il peut mais moi je peux pas. Génial. Alors là c'est pour les levels 1 à 3. Ok, donc il y a vraiment différentes zones qu'on peut parcourir. Non mais ils font trop mal en fait. Mais what the fuck. C'est quoi ce nombre de mobs incroyable. Non, calmons-nous. Alors attendez, parce que du coup, moi j'essaye de regarder comment ça fonctionne. Apparemment, comme ça, je peux pas aller vite. Hop. Oh, ils me font trop mal. On va se téléporter au mec. Hop là, garde du lion. Le mec il joue à Guild Wars 2 quoi. Bon, en tout cas j'aime pas du tout ce... J'aime pas du tout ce style de mob. Ce style de perso qu'on contrôle là. C'est vraiment pas... pas mon truc. Alors par contre, oula, j'ai... Je dois aller à 1000 mètres. Apparemment mon truc c'est là-bas. Donc on va y aller. Oh, what the fuck. Mais what? Mais où suis-je? Je suis pas dans une zone à mon level, je crois. Clairement, je pense pas être dans une zone à mon level. Oula, oula, il est sérieux lui? Oh, par contre, il fait très mal. Mais alors, ils font très très mal. Mais alors, ils font très 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 mal. Mais what the fuck? Mais c'est abusé. Oula, oula, oula. Danger, danger. Ah, bah, je suis mort. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça fait. Bah, en tout cas, c'est très con. Une fois que vous êtes mort, bah... Votre perso est totalement foutu. Et là, on va pouvoir du coup acheter des nouveaux trucs. J'ai plus de points. Donc comme ça, c'est fait. Par contre, je peux reprendre mon vaisseau level 6. Voilà. Pour reprendre du coup la mission. Par contre, il me semble, il faut que... C'est quoi la touche moins? C'est quoi? C'est la touche ça? Non, c'est pas ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Prison. C'est pas cette quête. Moi, c'est cette quête que je veux faire. Voilà, cette quête-là. Incroyable.
Alors pourquoi il me demande... Ah non, il me demande bien de partir. J'ai cru qu'il me demandait de faire autre chose au début. Mais il me demande bien de partir ici. Et du coup, c'est des Disciples Based que je dois tuer. Juste que je sache où ils sont. Ah, c'est là-bas, 360 mètres. C'est chiant qu'ils mettent un peu de temps à te dire où c'est. Parce que du coup, t'attends et... C'est pas trop où c'est, quoi. Bon, bon, apparemment, c'est là-bas. On va y aller. Oula, par contre, là, c'est un peu orgie. Du coup, on va essayer de passer entre les mailles. Voilà. Oula. What? Des missiles à tête chercheuse, c'est ouf. Ok, on avance. On avance, on avance. En tout cas, la zone, elle fait peur. Putain, mais ils me poursuivent encore, quoi. C'est un truc de ouf. Ah, bon, allez, on va le buter. Voilà. Prochaine fois, t'arrêteras de me suivre. Hop, Fire Hunter. On regarde un peu si on lui met des dégâts. Ouais, on lui met quand même pas mal de dégâts. Donc, on n'est pas dans une zone trop compliquée. Donc, ça, c'est cool. Où est-ce qu'elle est, la zone où je dois aller, hein. Fire Hunter, non, c'est toujours pas ces trucs-là que je dois buter. Donc, on s'en fout total. Par contre, c'est quelque part ici. C'est quelque part ici le truc. Pourquoi j'ai pu. What? Mais ils font mal! Mais c'est ouf! Beta Dog. Non, c'est pas ça. Ils sont où les Disciples Based là? Ah, je suis level 7. Incroyable. Y'a un mec qui s'appelle Mayonnaise! Oh non, c'est ouf! Ah, faut peut-être que j'aille là-bas. Regardez, j'ai un point rouge sur ma carte. Voilà, c'est ça. J'ai un point rouge sur ma carte, du coup, faut que j'aille là-bas. Alors, où est-ce que c'est? Pardon. Pas l'air commode, hein. Faudra pas les faire chier. Ouais, c'est encore plus loin. Disciple Based. C'est bon. Waouh. Oh, quoi? Mais calmons-nous. Calmons-nous, non, mon perso level 7. Non. Mais pourquoi? Mais je suis dans une zone level 13. Mais pourquoi ils m'ont fait venir? Mais ils sont fous. Mais ils sont dingues. Putain, mais c'est... Ok. Vas-y, on va prendre des trucs au pif. Hop. Alors, bon. Expand your hunger. Combien j'ai de pièces d'or? On voit pas du tout. Merde, arrête. Il me droit de voir du coup si je veux prendre un vaisseau ou si... C'est con parce que quad level 15, paladin level 15 pour débloquer cet avion là, quad level 15 pour débloquer ce truc là, on dirait un paladin mais un peu mieux. Et là du coup après c'est le... Ah ouais d'accord, donc en gros dans tous les cas je suis quand même obligé de farmer avec les types. Les deux là, parce que du coup, quand j'aurai mis mon perso level 15, je débloquerai ça. Et après, pour les débloquer le reste, faut bah, medic là, faut que je monte level 15 ça. Ça, faut que je monte level 15 ça. Ouais, donc au final, t'es quand même obligé de farmer avec chaque truc quoi. Mais en attendant, je trouve que le paladin, après, une fois qu'on monte le paladin, c'est plus intéressant. Donc autant jouer paladin tout de suite quoi. Après c'est beaucoup de farm hein. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire les quêtes. Tu restes à buter les mobs dans les premières zones. Et après tu vas monter de level quoi. C'est énormément ça. Mais je trouve que... Ok, bon bah je trouve rien parce qu'apparemment... Mais je déteste ce perso. J'y arrive pas. J'arrive pas, hein. Je vous jure que je fais pas exprès, j'arrive vraiment pas. Il faut que je bute lui d'abord. Mais non, ils m'ont tué. Mais je suis mort level 1 comme une grosse merde. Génial, j'ai même pas eu d'XP quoi. Excellent. Bon bah écoutez, dans tous les cas, moi on va s'arrêter là, hein, je pense. Alors, c'était histoire de vous montrer un petit peu... Un petit peu ce jeu, personnellement, moi, il m'intéresse pas mal. Je continuerai à y jouer, je pense, quand il sera sorti. Parce que, comme je vous l'ai dit, on peut y jouer que le week-end. J'ai pas eu le temps, dernièrement, pour pouvoir vous tourner sur ce jeu. What? Ok, ils m'ont téléporté directement ici, c'est cool. Mais voilà, j'ai pris un peu de temps, là, pour pouvoir vous proposer une vidéo.
sur ce jeu et vous montrer un petit peu tout. Donc bah, comme vous avez vu, on a un système d'inventaire où on peut récupérer des munitions spéciales pour notre clic droit. On peut jouer en coop, c'est pour ça que j'ai eu plusieurs clés. Donc comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à fermer ce putain de menu. Comme je vous l'ai dit, je peux vous donner, j'ai jusqu'à 2 clés pour vous si vous voulez. Puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à checker quand ce jeu sortira. Je n'ai aucune information à part que c'est marqué Summer 2019 sur Steam et que la bêta prend fin mai. J'ai que ces informations là pour l'instant. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, tchuss tout le monde.